I wanted to know how did you come up with the idea of writing this book and writing this movie? I was a sophomore in high school, and I just finished putting together Globe's High School Literary Magazine. And I was walking out to my car, and I was the last person at school, and I was exhausted, and it was cloudy, and I thought, wow, if I was struck by lightning right now, I wonder how long it would take for someone to find my body. That was what I was thinking, and then the story came through. Donc en fait, la toute première inspiration pour ce film et non pour le livre par la suite, c'était un peu comme la scène de la mort de Carson où en fait il vient de finir de faire le magazine du rêve. C'est la dernière personne à sortir de l'école et puis il sort et il voit qu'il y a un orage qui s'annonce dans le ciel et il s'est demandé juste comme ça, si j'étais frappé par la foudre, ça leur prendrait combien de temps de retrouver mon corps. C'est un peu. C'est la différence quoi. Et nous allons prendre une dernière question. Oui, ça va se battre. Ma question sera encore pour Chris. Désolé, Roberto. Il n'a pas compris. Je voudrais savoir si t'es fière de toi, en fait. Parce que on est tous fiers de toi. Et je voudrais te remercier pour tout ce que tu fais. Et aussi, je sais pas si j'ai le droit de le faire, mais je sais que c'était ton anniversaire il y a moins d'un mois, donc c'est pour toi. Oui. Non, elle dit ce que tu es fière de toi. Bah ouais. Merci beaucoup, it's so sweet. Oh. And my cat on it. La fierté que vous avez pour lui et la fierté que vous avez pour ce film est très mignon. Il y a son chat sur le lapin pour ceux qui ne le voient pas. Il y a une photo de Chris et son chat sur le côté.